Salut tout le monde, c'est Jolate, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui nous allons jouer à Overwatch. Je vais vous parler un petit peu du jeu. Donc Overwatch qui est un FPS désormais disponible en bêta publique du 5 au 9 mai. Il est sur PC, PS4 et Xbox One. Il est téléchargeable gratuitement pour le moment. Et si je ne dis pas de bêtises, il me semble que le jeu sortira le 24 mai. Donc voilà, et on va lancer une petite partie, ça va être bien cool. Donc c'est un FPS en multijoueur. C'est avec des héros, c'est un peu... comment dire? On dirait un petit peu que le jeu est tout droit sorti d'une bande dessinée ou d'un dessin animé, un manga. Et franchement, ça a plutôt son charme là-dessus. Donc après, je vais essayer de vous parler un petit peu du jeu pendant que je suis en train de jouer. Ça risque de pas être très évident pour moi, sachant que d'entrée, je suis déjà une biche au FPS. Alors j'ai eu l'occasion de tester à peu près tous les personnages, je pense, à moins que il y en a peut-être deux ou trois que j'ai pas testé. Et franchement hier j'ai passé toute la soirée sur Twitch à jouer à ce jeu, et mon personnage préféré, eh bien il en ressort que c'est celui-là. Et je l'ai surnommé X-Men, parce que faut dire qu'il ressemble à un X-Men, non? Avec son machin rouge là, vous savez? Je sais plus son nom, mais bref, il ressemble à X-Men. Et pour moi... c'est le meilleur compromis entre un gameplay dynamique et à la fois de la patate au niveau de sa mitraillette et tout. Vous voyez, là j'ai soit un petit truc comme ça, la mitraillette, ou soit un genre de lance-patate. Bien sûr, les balles sont à l'infini, vous voyez en bas à droite, j'ai un nombre de balles. C'est marqué 14 sur 25, mais je vous assure que si je recharge, ça reste tout le temps à 25 sur 25, je comprends pas. Oh, c'est quoi ça? D'accord, donc ça c'est admettons, vous voyez, c'est un petit pouvoir que j'ai. Donc chaque personnage a un pouvoir propre qui lui est dédié, si je peux dire ça comme ça. Vous voyez qu'il se recharge en bas à droite. Et chaque personnage a également un pouvoir spécial en appuyant sur la touche A. Et en fait vous voyez qu'en bas de mon écran, il y a une jauge qui se remplit là, 1%, vous voyez en jaune, 2%. Et bien ça c'est mon pouvoir spécial qui se remplit. Et donc chaque personnage, attendez je vais où là, parce qu'il faut que j'aille à la guerre. On va aller par là. Et donc chaque personnage a un pouvoir qui lui est associé. Ouh, je vais te suivre toi. Alors attention parce que je connais pas toutes les maps. Faut savoir que durant cette bêta, ils ont débloqué absolument tout le jeu. C'est-à-dire que ce que vous voyez là, ça va être exactement représentatif de la version commercialisée qui va arriver le 24 mai. Ils ont débloqué absolument tout le jeu durant la bêta. Du moins c'est ce qu'ils ont annoncé. C'est ce que j'avais lu dans un article. Alors je vais essayer de faire un petit peu de kill. Durant cette vidéo, je vais aussi vous montrer... merde ! Je suis déjà mort. Donc durant la vidéo, je vais essayer aussi de vous montrer différents gameplays avec plusieurs personnages. En fait, je pense que j'illustrerai un petit peu avec mon gameplay d'hier sur Twitch pour vous montrer plusieurs personnages. Voilà, je vous montrerai quelques images de ce que j'ai joué avec plusieurs personnages. Par exemple, je sais que vous avez un personnage, il s'appelle Tracer. Donc ce personnage, en fait, il se téléporte. Tiens, je crois bien que c'est elle en plus, Tracer, non ? Non, c'est pas elle. Dégage toi! Merde, je me suis fait avoir. Donc si vous voulez par exemple, Tracer, elle a un gameplay très dynamique. Elle est tout le temps en train de se téléporter, mais par contre son flingue il a pas de patate. Vous voyez, c'est vraiment, faut faire du corps à corps avec elle, c'est pas de la distance. Et ce que j'ai trouvé également dommage dans le jeu, c'est le fait que tous les personnages ne peuvent pas avoir le sprint. Tout le monde n'a pas le sprint, vous voyez. Pour l'instant là, de tous les personnages que j'ai essayé, eh bien là, vous voyez, mon X-Men c'est le seul à avoir le sprint. Les autres ne l'ont pas. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, le bouton mage, c'est également un petit pouvoir pour les personnages. Oh putain, attendez. On va sortir de là. Dégage-toi. Tiens, prends ça dans la gueule. Oh, ce serait bien si le robot, il nous aide avec le bouclier. Yes, GG. Aïe, 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 je suis mort. Oh, bien joué, il m'a ressuscité. Vous voyez, ça, ça doit être un personnage qui a une technique particulière. Alors c'est pas trop évident des fois de se concentrer en même temps de vous parler du jeu. Mais je peux vous dire que hier j'ai fait des séries de kills hier soir. J'étais avec mon pote After sur Twitch. D'ailleurs dédicace à toi si tu regardes la vidéo. Et franchement c'était vachement sympa. On a fait carrément des bonnes séries. Hop là, tu étais mort. Et moi je suis mort, impeccable. Ouais, j'ai fait des sacrées séries hier soir, j'étais chaud pendant un moment. Alors je peux vous dire que bon, par expérience, tous les personnages ne sont pas évidents à prendre en main, mais je pense que c'est une question d'habitude, une question voilà, une question de préférence. Après, si vous préférez plus un gameplay qu'un autre. Mais voilà. Ce qui est franchement pas mal dans le jeu, c'est que moi, je trouve que chaque personnage a son propre gameplay, vous voyez. Chaque personnage a son gameplay différent. Tiens, dégage. Là, par exemple, vous voyez que nous,
L'objectif de la partie, c'est qu'on défende notre convoi là. Donc ce que je vais essayer de faire. Oula, j'en ai eu un, GG. J'ai même pas vu celui que j'avais eu, mais je l'ai eu. C'est plutôt cool. Dégage toi. Tiens. Ah, j'ai mon spécial. Je vais vous montrer mon spécial. Alors mon X-Men, son spécial en fait, c'est carrément que je peux loquer des personnages. Vous allez voir. C'est un truc de malade. J'ai plutôt bien aimé son spécial. Alors après, il y a plusieurs héros. Hein. Il y a un espèce de Robin des Bois. Il a tout le temps un arc. Je vous montrerai en même temps des images de gameplay que j'ai fait hier soir pour illustrer. Donc ouais, nous avons un héros avec un arc. Je l'ai surnommé Robin des Bois. Ça y va plutôt bien. Nous avons un gameplay avec un gros robot géant un petit peu. Il a tout le temps un marteau. Il a tout le temps un bouclier avec pour se protéger. Nous avons genre un cow-boy un petit peu. On dirait qu'il est tout droit sorti du jeu Red Dead Redemption. Et franchement, il a un gameplay aussi plutôt dynamique. Il est avec moi, lui? Dégage, toi. Oh, putain! Je m'en fous, je l'ai eu, non? Attends. Ah non, je l'ai pas eu. Et nous avons pas mal de personnages. Nous avons un ninja. Nous avons un espèce de Rastaman qui fait du roller et tout. Moi, je vous dis, vous pouvez profiter d'essayer le jeu. Là, en ce moment, il est gratuit jusqu'au 9. Je le répète, sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Wow, on a mangé... Oh, j'allais dire on a mangé une sacrée défaite, mais non, on a mangé une sacrée victoire. Alors là pour le coup la victoire, je pense pas que c'est grâce à moi. Voilà, lui par exemple c'est le ninja, vous voyez. Franchement il est plutôt stylé, j'aime bien son skin. Regardez ce qu'il fait, là c'est les dernières kill cam. Il a un gameplay vachement dynamique aussi. Mais presque trop dynamique. Vous voyez, bon en tout cas il est bien sympa. Alors franchement moi après si je peux vous dire mon ressenti sur le jeu, il est bien bien bien. Après... Est-ce que c'est un jeu que je vais acheter? Je sais pas. Parce qu'en général, je suis souvent une biche au FPS. Après, ça dépend. Des fois, quand je suis chaud, j'enchaîne, franchement. Mais ce qu'il y a, c'est que je suis sûr que c'est le genre de jeu que là, je vais kiffer y jouer. Je vais scotcher dessus pendant la bêta. Et une fois que je vais l'acheter, je vais y jouer 3-4 jours et je vais laisser dormir le jeu dans mon disque dur, prendre la poussière, vous voyez. Les jeux, c'est quand même un investissement. Je veux dire, quand vous achetez un jeu, faut être sûr d'y jouer. Bon, sauf après, si vous achetez peut-être des jeux à 1 ou 2 euros, là, vous dites, bon, bah, c'est pas cher, vous achetez le jeu. Mais ce sera pas le cas d'Overwatch quand il va sortir. Overwatch, il sera sûrement dans les 60 balles quand il va sortir, vous voyez ce que je veux dire? Après, vous pourrez sûrement le trouver sur d'autres sites internet à 30-40 euros sur certains sites. Je vais vous montrer un petit peu un gameplay avec Tracer. Donc Tracer, elle a un gameplay vachement dynamique, je vous en parlais tout à l'heure. Par exemple, vous voyez, Tracer, elle court pas. Là, je suis à fond. Par contre, elle se téléporte. Vous voyez? Hop. Et admettons, s'il m'arrive une couille, regardez, regardez, il est là-bas. Hop là. Merde, je me suis loupé. S'il m'arrive une couille, je me fais attaquer. Je fais une petite téléportation arrière. Il a rien compris. Et hop, je passe derrière lui. Hein, c'est plutôt cool ça. Voilà. En tout cas, faut vraiment s'y faire hein, au gameplay. Hein. Au début, je vous dis, c'est pas toujours très évident à prendre tous les personnages en main. Mais une fois que vous êtes chaud, ça va. Allez, vas-y, c'est parti. Let's go là. On va aller un peu voir ça. Oula. Oh bah putain, mon vieux. Je délire. Vous voyez que elle a un gameplay vachement dynamique, vous allez voir, mais c'est beaucoup de corps à corps qu'il faut faire avec elle en fait. Pour se démerder parce que. En fait, son. GG. En fait, son pistolet, il a pas de patate. Oh, je me suis fait avoir par le sniper. Le sniper aussi, il est bien. J'y jouais pas mal aussi avec hier. Il est vachement bien le sniper. Parce que le sniper, il fait également office de mitraillette en fait. Et ça, c'est franchement sympa, j'ai bien aimé. Par contre, bah, un truc dommage, c'est qu'il a pas de sprint. Pas beaucoup de personnages ont de sprint. Vous voyez, et du coup ça peut paraître mou quand on joue là, sans sprint. Encore heureux qu'il y a le truc de la téléportation quoi. Regardez, hop là, il a rien compris lui, petite téléportation. Ouh, et hop là, on passe derrière. Regardez, regardez comment je me fais bien défoncer. On va par exemple tester Red Dead Redemption. Vas-y, c'est parti, fais péter. Lui, il a pas de sprint. Voilà, son sprint en fait, regardez, son sprint c'est ça. Voilà, c'est tout, et faut qu'il se recharge toutes les 8 secondes. Voilà, donc ça peut paraître vachement mou. Vous voyez, c'est ça que j'ai trouvé dommage, quoi. Moi, je pense que franchement, ils auraient pu donner un sprint à chacun des personnages, quoi. Parce que vous voyez, c'est... voilà, quoi. C'est un petit peu relou, quoi, je trouve. Voilà, tu fais quoi, toi? Tiens, toi. Alors. Tiens, grenade. Voilà. C'est pour ça que moi... Oh, merci. Merci, merci. Tiens, oh là, comme je l'ai défoncé. Ce qui s'est pris dans la gueule. Tiens, en haut, regardez. Je me fais niquer là, non? Ici?
Oh putain, attendez. Je me fais niquer d'où là, ça vient d'où? Putain, des fois c'est pas évident parce que bon, je connais pas les maps non plus. Vous voyez, je joue que depuis hier soir. Et le ninja, lui, on va le laisser tranquille. Là, ça va venir de là. Je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas de sprint. Je me répète beaucoup, mais je trouve ça dommage. Parce que du coup, ça donne un gameplay, mais vachement mou, quoi, au truc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment dommage que tous les personnages n'ont pas un sprint. Mais bon, ça n'empêche pas que le jeu est super bien. Franchement, moi, je scotche dessus pour le moment. Vous voyez, regarde. Moi, franchement, mon préféré, c'est celui-là. C'est X-Men. Voilà, tout simplement parce que... Vous voyez, il a un petit gameplay dynamique. Il a le sprint. Donc ça, c'est franchement cool. Voilà, tous les persos n'ont pas ça. Voilà, disons que je pense que c'est le personnage qui se rapproche peut-être le plus des jeux de guerre Call of Duty, vous voyez. Alors, c'est des jeux que j'ai pas spécialement l'habitude de jouer. Et franchement, je le trouve super bien, ce bonhomme-là. Moi, j'adore. J'adore son gameplay, quoi. En plus, il y a tout le temps un petit truc pour se régénérer, si on veut. Ouh, comment je l'ai eu, elle, là-bas. Oh. Oh, vous voyez, elle se téléporte, elle, c'est Tracer. Regardez, voilà. Hein? Je l'ai mis mal, un petit peu, là. Je t'ai mis mal, Tracer, ou comment ça se passe? Elle est où? Elle s'est téléportée. Hop, là, regardez le lieu en haut, là. Je vais essayer d'augmenter mon multi. Regardez, il m'a vu, il m'a vu. Tiens, prends ça, comment qu'il s'est fait déglinguer, mon vieux. Il a rien compris. Il a rien compris à ce qui est arrivé. Tiens, et toi là-bas? Non, franchement, franchement, il est bien le jeu. Moi, je vous dis, je colle dessus là depuis hier soir. Par contre, ouais, voilà. J'ai peur que si je l'achète quand il va sortir, je vais plus coller dessus. Ça, c'est le genre, je vais kiffer la bêta et dès qu'il va sortir, je sais pas pourquoi, mais je veux plus y jouer. Voilà, moi, à chaque fois, les FPS, c'est passager. J'ai des petits coups passagers comme ça. J'ai envie de jouer au FPS. Ça m'avait fait pareil avec Battlefield 4 à l'époque quand il était sorti. À l'époque, j'avais torché la bêta. J'avais au moins passé 3 nuits blanches sur la bêta. J'endormais pas tellement que je voulais le jeu. J'attendais qu'il sorte, quoi. Dès qu'il est sorti, je l'ai acheté. J'ai joué 4 jours au jeu. Après, il a pris la poussière dans mon disque dur. Oh, regardez là-bas. J'ai bientôt mon multi. C'est cool. Yes, je l'ai, j'ai mon spécial. Oh non! J'ai pas eu l'occasion de me servir de mon spécial. Ah, je me suis fait péter par une tourelle. Je vais utiliser mon spécial. Tiens les gars, j'arrive. En fait, mon spécial, regardez, il lock automatiquement les ennemis. C'est un peu, c'est des balles téléguidées, vous voyez. Où est-ce que je t'ai mis, toi? Il a mangé, là. Là, vite fait, il a mangé. Alors, vous voyez que je suis pas spécialement un PGM. C'est pas évident de parler en même temps, de vous expliquer un peu le jeu et de jouer, mais je trouve que ça va. Je me défends pas trop mal. Disons que je fais ce que je peux. Oh, regardez-le, lui. Lui aussi, il est pas mal. Le chopper là-bas, là. Attendez, je vais me soigner parce que j'en ai pris pas mal dans la gueule, là. Voilà, un petit coup. Un petit coup de soin. Vas-y, j'y vais, go. Oh, regardez. Lui, je l'ai pas joué encore, lui. Je crois pas que je l'ai joué, celui que je viens de défoncer. Ça va venir de là ou quoi? Regardez, je l'ai vu arriver. Je l'ai vu arriver. Hein? Alors, est-ce que ça te fait les potes, ça? Hein? Ça t'a calmé un petit peu? Je vais me soigner. Hop, en plus, j'ai mon spécial. Ça, c'est plutôt cool. Eh bah, bouge, mon vieux, là. Oh, alors. C'est pas le moment de dormir, hein. Qu'est-ce que tu fais? J'arrive, j'arrive. Hop là. Tiens. Ouh, je m'en fous, j'en ai eu. Non, j'en ai pas eu un. Oh merde, j'étais pas loin. J'avais fait une série de 7 kills, c'était pas mal franchement. Bon là, nous revoyons la kill cam de fin. C'est, je crois que c'est la meilleure action. Les meilleurs kills. Ouais, forcément, le avec sa tourelle, il a tout pété. Franchement, GG, il a bien joué. Donc, en tout cas, on va s'arrêter ici pour cette partie sur Overwatch. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, pourquoi pas la partager. Sur ce, moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et ciao tout le monde, bye.